Salut, salut, donc faites pas attention à ma tête. J'ai attaché mes cheveux à la va-vite parce que je n'en pouvais plus, j'avais beaucoup trop chaud. Donc on continue les présentations de mes copinettes belges. Voilà, donc aujourd'hui je fais une vidéo en collab avec Priscilla Beauty and Vlog, je crois que c'est. Je suis plus sûre, je viens d'aller vérifier le nom exact de sa chaîne. Et il me semble que c'est ça. Et je vous mets bien entendu le lien de sa chaîne en barre d'infos, hein, sinon c'est plus du partage. Donc voilà, si vous la connaissez pas, allez la voir, elle est toute douce. Moi, elle me fait beaucoup rire quand elle me parle. Et voilà, j'aime beaucoup la regarder. Oh, j'ai une mèche qui part en cacahuète. Donc voilà, j'aime beaucoup la regarder, l'écouter parler et tout ça. Et j'aime beaucoup son intro quand son petit bébé chou, Alaric, vient lui faire ses petits bisous de routine avant les vidéos. Et voilà, en plus j'adore le prénom Alaric. Si j'ai bien compris, elle est autant fan de Vampire Diaries que moi. Voilà, moi j'ai appelé mon chat Démon. Voilà, bref, donc voilà, allez la suivre, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre et à vous abonner à sa chaîne, à son Instagram et tout ça. Vous ne devriez pas le regretter car c'est grâce à elle et Lilimus que je fais les routines make-up, les rotations make-up. C'est sur leur chaîne à elle que j'ai vu ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Priscilla et j'en suis ravie. Et il m'a fallu quand même très longtemps pour capter qu'elle était belge, elle aussi. Donc voilà. Bref, donc elle m'a proposé, quand je lui ai proposé de faire une vidéo toutes les deux, elle m'a proposé le tag 1000 euros chez Sephora. Voilà. Alors, je l'ai fait. J'ai eu du mal parce que je ne suis pas une grande adepte de Sephora ou des produits de cette gamme de prix-là, mais je me suis dit, allez, imaginons, tu gagnes un bon d'achat de 1000 euros, qu'est-ce que tu as le plus envie de tester? Donc ça fait un peu wishlist en fait, hein, voilà, vraiment des produits plus chers que j'aimerais tester, mais que je ne m'achète pas parce que c'est trop cher. Voilà, ou de temps en temps, hein, je me fais de temps en temps des petits plaisirs, hein, voilà, mais grosso merdo, c'est rare que j'achète chez Sephora. Surtout que Sephora, je les trouve hyper radins, que ce soit en échantillon, ils font jamais de cadeaux, les cadeaux d'anniversaire c'est toujours paf. Alors je suis pas gold, hein, loin de là, puisque j'y vais jamais. Et voilà, franchement je les trouve hyper radins, les frais de port vers la Belgique c'est un truc de malade, c'est... Enfin ils ont baissé maintenant, c'est plus que 8 euros, je crois qu'avant c'était 10. Donc moi je suis chez mon frère quand il y a la livraison gratuite, parce qu'on n'a pas la livraison gratuite en Belgique. Mon frère habite à 900 mètres en France, hein. Je suis à 50 mètres de la frontière, hein. Mais voilà, bref. Donc je ne suis pas une grande adepte et j'ai eu un peu de mal à choisir beaucoup de produits pour 1000 euros, mais j'y suis arrivée. Donc je vous mets les petites images des produits que je mentionne parce que moi j'ai dû recopier sur une feuille de papier parce que j'avais fait les screens sur mon téléphone, mais comme j'utilise mon téléphone pour enregistrer ma voix, j'ai pas accès au téléphone. Donc voilà. Donc on commence avec un produit Sephora. J'aime bien leurs produits par contre, hein, de la marque Sephora, j'aime beaucoup. C'est le Super Sérum Éclat Plus Tenseur Visage de 30 ml. Donc c'est un sérum qui est à 19,99 €. Donc on commence pas trop gros, voilà. Et j'aime beaucoup leurs produits et j'adore les sérums. Donc je me suis dit, celui-là, j'aimerais bien tester. Ensuite, alors j'ai mis cette poudre-là pour avoir une idée de prix, mais c'est celle-ci que j'aimerais bien, voilà. Celle-ci, j'ai craqué directement dès que c'est Gérard Blandino, enfin, le créateur de Too Faced, qui a partagé sur son Instagram, et je vous l'avais partagé tout de suite en disant que c'était trop beau. Et celle-là, peut-être bien que je pourrais craquer dessus, parce que j'ai adoré le packaging. Voilà, ouais. Too Faced, c'est avant tout le packaging, hein, qui me fait craquer, mais je pense que celle-ci, je pourrais craquer. Donc j'ai mis 35 euros dans ma liste parce que je me suis dit d'ici à ce que je dépense des sous chez Sephora, il sera en vente chez Sephora parce qu'il n'y était pas à l'heure actuelle des choses où j'ai fait j'ai préparé ma petite liste puisque je vous tourne la vidéo quand même quelques jours à l'avance. Voilà, d'ailleurs si vous voulez voir ce make-up je vous remets juste ici. Et voilà, donc j'ai mis 35 euros parce que je pense que ce sera le même prix pour l'autre poudre, mais c'est l'autre que je veux. Alors, toujours chez Too Faced, j'aimerais bien la base Hangover, puisque à ce qui paraît, Hangover, c'est vraiment une très bonne gamme chez eux. Et par contre, j'aimerais bien la hydratante, puisqu'il y a un SPF 25 en plus dedans, et que moi, je prends toujours des bases hydratantes, puisque ma peau est en manque d'hydratation, de toute façon, qui est à 32 euros. Et en plus, il y a un SPF 15, donc j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef, ça serait bien pour la saison. Mais j'irais pas foutre 32 balles dans une base, quoi. Voilà, alors que celle de chez Action, qui est très bien, elle coûte moins de 2 euros. Ma Catrice que j'adore est à 6 euros, je crois, donc j'irai pas foutre 32 balles dans une base, quoi. C'est énorme. Hein.
Ensuite, on repasse chez Sephora et j'aimerais bien tester la colle à fossiles. Vous me l'avez beaucoup conseillé quand je vous parlais que j'avais du mal avec la Duo, là. Que je me suis adaptée avec la Duo hein, maintenant. Puis bon, là, j'ai crash testé dans cette vidéo la W7 qui me paraît pas trop mal. Donc, à retester plus en profondeur. Mais voilà, puis elle est 5 euros, mais elle est pas chère, elle est 6 euros, hein, 5,99 celle de chez Sephora, donc peut-être qu'un jour je me l'achèterai et je testerai. Encore un produit que vous m'avez beaucoup conseillé et que j'aimerais bien tester par contre, c'est le Beauty Amplifier Base Unifiante Éclat, donc toujours de chez Sephora, à 13,99. Et je l'ai vu une fois en action dans une des vidéos de Lydie et... quand elle mettait juste la base, on a l'impression qu'elle avait déjà mis un fond de teint ou une baby crème ou un truc comme ça. C'était vraiment très unifiant, très... ça m'a bien botté. Donc ça, je pense que j'irai me la chercher un jour. Et on poursuit toujours chez Sephora pour 12,99€ avec le Size Up Mascara, puisque tout le monde en parle. Donc un jour, peut-être que je testerai. Ensuite, j'ai quand même mis quelques produits KVD. Donc anciennement, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? Kat Von D. Maintenant, c'est KVD vegan, hein, ou j'ai quoi, enfin KVD quoi. Le blush Rosebud, voilà, j'adore la teinte et j'adore le packaging. Encore une fois, c'est vrai qu'ils sont très beaux ces blushs. Hein. Il est à 25 euros, donc là, je trouve que, personnellement, je trouve que c'est super correct comme prix. Quand on voit d'autres blushs qui coûtent 40 balles, voilà, je trouve que 25 euros, c'est pas mal. Ainsi que, toujours dans la même marque, le liquide lipstick en teinte Lolita, puisque c'est un grand. Must-have de la marque, que tout le monde a testé, sauf moi, hein, comme d'hab, qui lui est à 19,90€, donc c'est très correct, je trouve, pour des trucs qu'ils vendent chez Sephora, je trouve que c'est des prix plutôt corrects. Ensuite, chez Huda Beauty, j'aimerais bien le Glow Coco fixateur hydratant, qui est au prix de 35€, alors jamais j'achète, quoi, 35€ pour se spritcher sur la tronche, je ne vois pas, non. Mais voilà, bon, après Marion Camelon l'a testé, elle l'aime beaucoup. C'est une brume hydratante fixatrice de maquillage qui sent la coco, hein. J'ai dit, il y en a ailleurs, hein. Mais voilà. Tant qu'à faire, si j'ai un bon, 2000 euros, je me la jetterai. Ensuite, j'ai mis. Alors, j'adore les formats mini chez Sephora, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez tester des trucs pour moins cher. Alors, il y a moins de contenance dedans, forcément, mais là, c'est de chez Fenty Beauty, c'est le Diamond Bomb. Baby, coffret format voyage, highlighter et gloss pour 25 euros. Les gloss, j'en mets presque pas, donc si les rikiki, je m'en fous. Et l'highlighter, j'en ai beaucoup, donc si les rikiki, je m'en fous aussi. Mais au moins, je pourrais tester. Ensuite, alors là, j'ai fait ma grosse goulue. J'ai mis les palettes Norvina 1, 2, 3 et 4. Moi, bah, tant qu'à faire, elles me font de l'œil depuis le début, hein, ces palettes-là, les 4, hein, de toute façon. Et si je gagne un bon, je crois que c'est un des premiers trucs que je vais acheter, c'est ces palettes-là. Qui sont à 70 euros pièce. Voilà. Ensuite, je me reprends un backup de mon produit Too Faced, le Born This Way en teinte light. Là, ma petite palette, elle est en bas, donc je ne peux pas vous la montrer, mais de teint, là, avec la Soft Focus, la Dazzle et tout ça, tout ça. J'en suis fan de cette petite palette de teint, là. Donc, je me reprends un backup. Ça, c'est clair, parce qu'elle est quand même 43 euros. Donc, le jour où je vais la terminer, celle-là, je vais pleurer. Hein. Mais, bon, avant de la terminer, on a le temps, mais je me reprendrai un backup quand même. Ensuite, dans le même esprit, puisque c'est entre les deux là que j'hésitais, je prendrai la CC Powder de chez By Terry, puisque c'est pour ça que je voulais la Born This Way, c'était parce qu'il y avait trois produits pour moins cher que un chez By Terry, enfin vous voyez, parce que là c'est quand même à 59 euros, mais comme j'ai fait le truc pendant les soldes, elle est à 41,30€ en solde. Donc j'ai compté le prix des soldes, hein, parce que tant qu'à faire, si j'avais le bon, j'aurais validé et je l'aurais eu en solde. Donc, j'ai un peu triché, mais sinon, c'est 60 balles pour une poudre, quand même. 60 balles. Non, 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 non. Ensuite, en mini, toujours l'highlighter de chez BK en teinte opale. Voilà, moi, j'ai le Parisian Light, qui était en collaboration avec Sananas, que j'aime énormément. Hein, c'est un des highlighters, je crois, que j'ai les plus utilisés de ma vie. Et le opale, c'est quand même le plus connu, mais en mini, ça me suffit, surtout qu'il est qu'à 18 euros. Donc, voilà, ça, potentiellement, c'est un truc que je pourrais acheter un jour. Ensuite, on change de catégorie de prix. Je passe chez Marc Jacobs pour le Omega Bronze Coconut. Voilà. Donc, qui est quand même à 45 balles. Après, c'est un très gros format de bronzer. Mais c'est quand même un des bronzers les plus connus, comme le Laguna dans son époque. Voilà.
Et du coup, j'aimerais bien le tester. Et si je l'avais en bon, hein. Après, c'est pas le genre de produit que j'ai le plus envie de tester au monde. Mais voilà, tant qu'à faire, je prendrai. Pareil pour les deux suivants qui viennent de chez La Charlotte, Charlotte Tilbury. Donc, c'est le fond de teint Airbrush Flawless qui a l'air divin pour tous ceux qui le testent. Et la poudre Airbrush Flawless qui va avec, bien sûr, parce qu'elle a l'air divine pour tous ceux qui testent. Mais alors, le fond de teint est à 41€, la poudre à 43€. Ça fait un peu mal au cul quand même, hein. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ça fait mal au cul. Ensuite, bien sûr, je prendrai un liner pailleté et bien sûr, je prendrai ceux d'Urban Decay puisque c'est quand même les plus réputés. Donc, c'est les Eevee Metal Glitter Liner en teinte Pyro qui est à 23€. Ça fait cher pour un liner, hein. Des focales, j'ai payé 2,50€ et ils me conviennent très bien, mais tant qu'à faire, voilà. Et pour rester dans la même gamme, je prendrai aussi le glitter gel, mais je n'ai pas noté la teinte, qui est à 23€ aussi, mais celui qui est aussi dans les teintes un peu holographiques, opalescentes et tout ça. Ensuite, je me prendrai un blush Tarte, puisque j'aime beaucoup mon petit mini Harmony, là, et je prendrai le Peaceful. Alors, je voulais le... Je sais plus comment il s'appelle. Pourtant, je vous ai pas signé avec ce blush, hein, et maintenant, je ne sais plus son nom. Un des plus connus aussi de la marque, mais en regardant les teintes, le Peaceful est vraiment canon, c'est vraiment dans le genre de teinte que j'aime. D'ailleurs, il ressemble pas mal au XX que je viens d'acheter. Voilà, c'est un peu dans ce genre de teinte là. Mais j'aime beaucoup les blush Tarte. Avec mon petit mini là, je reviens pas comme il s'estompe bien et voilà. Mais j'adore la couleur. Il est à 32€, donc c'est pas pour tout de suite. Et mon petit XX à 9€ là me convient très bien. Ensuite, quand même, pour tester, pour pas rester la quiche de service, je prendrai quand même la Sunrise Palette de chez Natasha Denona, qui est à 69€. J'en ai marre des camions. Qui est à 69€. Au départ, j'avais mis une autre, mais je pensais que c'était la Metropolis. Donc, elle était à 210€, mais c'était pas la Metropolis. Parce que je trouve que c'est la plus belle des palettes, c'est la Metropolis de chez Natasha Denona. Et c'est celle où il y a le plus de phare aussi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si je paye pas, je prends une chère, quoi. Mais c'était pas celle-là, c'était quasi que des irisés, donc ça m'a pas transcendé une fois que je l'ai vu de près. Donc je me suis rabattue sur la Natasha Denona et j'ai un peu changé les autres trucs sur la Sunrise Palette. Et j'ai un peu changé d'autres trucs de ma commande, hein, entre guillemets, puisque je vais pas valider la commande, hein, mais pour avoir plus de produits. Alors, chez Anastasia aussi, je prendrai la palette Riviera, puisque c'est une des premières qui m'a botté chez Anastasia. C'est vraiment celle que je voulais quand elle est sortie l'année dernière. Et après, quand j'ai vu la Amrésie, j'ai totalement craqué sur la Amrésie, mais je prendrai quand même la Riviera, parce qu'il y a quand même des teintes dedans qui me font très envie, encore maintenant. Voilà. Alors, je me reprendrai mon parfum chouchou de tous les temps, qui est le Olympia de chez Paco Rabanne, voilà, c'est mon parfum préféré avec le Luna de Nina Ricci. Voilà, je pense que. Et la petite robe noire. C'est vraiment mes trois parfums que je tourne, mais l'Olympia, c'est vraiment, je pense, mon préféré. Et là, il était en solde à 52,50€ pour 50 ml à la place de 75€. Donc, contente. Si je pouvais valider, je serais contente. Et enfin, pour terminer, pour combler et arriver le plus proche des 1000€, je prendrai en format voyage le Shape Tape de Tarte pour le tester, parce que pareil, je suis la seule quiche à l'avoir jamais testé encore de ma vie. Voilà, et là, il est à 14€ en format mini. Après, j'aime beaucoup le XX que j'utilise en ce moment, ou le Infinite, que je préfère encore, mais voilà, juste pour dire que j'ai fait comme tout le monde, hein, que j'ai fait mon mouton et que je l'ai testé moi aussi, mais ou sinon... J'irai pas foutre 30 balles dans un indigène, quoi. C'est hors de question. C'est pas comme ça que je vois les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Je ne juge personne. Mais moi, je veux pas me foutre des centaines d'euros sur la tronche. J'ai déjà des centaines d'euros qui me traînent là. Mais je veux pas foutre un fond de teint à 60 balles sur ma tronche, quoi. Voilà. Ma tronche est pas assez luxueuse pour ça, je crois. Voilà. Et donc, on arrive quand même à un total de 999,56€. On ne pouvait pas faire plus proche des 1000€. Sans dépasser, mesdames et messieurs. Après, je devrais payer les frais de port, puisqu'on n'a pas les frais de port gratuits en Belgique. Hein. Donc, je serai livré chez mon frère, hein, ce tarif-là. Voilà. Donc, voilà, ça me fait quand même pas mal de produits. Il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 produits. Mais imaginez-vous ce que vous avez avec 1000 euros chez Révolution. Un truc de fou. Truc de fou. Ou même sur Beauty Bay. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse le tag avec Révolution, Beauty Bay. Puis dites-moi s'il y a d'autres sites que vous voudriez que je fasse. Et si ça vous intéresse de voir ce que j'achèterais avec 1000 euros sur d'autres sites, en fait. Voilà. Dites-moi ça en commentaire et je les ferai quand je pourrai. Parce que là, avec une vidéo par jour, ça tourne, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Je passe ma vie devant ma caméra en ce moment, hein, ou en montage PC. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ce que Priscilla aura choisi, si on a des produits en commun ou pas. Donc allez vite voir sa vidéo, hein. Elle est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker ses vidéos, à la suivre sur Instagram, enfin partout, partout, partout. Voilà, elle est adorable, comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup cette jeune fille. Qui est très jeune hein, par rapport à moi, mais voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça conclut cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous prendriez, le produit que vous prendriez si vous aviez un bon de chez Sephora, peu importe le montant, mais vraiment le produit que vous ne pouvez pas vous payer personnellement, mais que si vous aviez un bon, vous iriez le chercher tout de suite. Dites-moi c'est quoi, parce que vous savez que je suis creuse et que je veux toujours tout savoir. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si jamais vous venez de la vidéo de Priscilla, ben je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ma tronche vous plaît, j'espère que les vidéos vous plairont et que vous sentirez bien avec nous, comme toutes les autres qui me suivent depuis 8 ans. Et voilà, donc on parle beaucoup de make-up hein, ici, voilà, c'est principalement une chaîne make-up, mais ça tourne autour du petit prix. Des produits petit prix, notamment Révolution. Je suis une grande accro à Révolution. Mais en même temps, de temps en temps, je me fais des petits plaisirs avec des produits un peu plus chers. Et voilà, vous avez tout ça sur ma chaîne de toute façon. Il y a pas mal de vidéos si vous voulez rattraper votre retard. Voilà. Donc, en attendant, demain, pour une nouvelle présentation... Oh, c'est pas une nouvelle, vous la connaissez déjà. Je vous en ai déjà parlé. Mais je refais quand même une vidéo avec elle parce que je l'adore. Mais ça, vous verrez ça demain. Donc, en attendant demain, je vous dis... Bisous, bisous.